Bien, il a cessé de pleuvoir il y a à peu près 1 heure. Du coup, j'ai repris mes activités d'extérieur. C'est pas que dans la yourte, je n'ai rien à faire. On est d'accord, le ménage, tout ça. Le ménage. Pff. Bref, du coup, je suis allé marcher la boucle que je fais dans le sous-bois là, de 2 km. Bah, en fait, je ne l'avais pas faite depuis que j'ai les chèvres. Voilà. Là, tout était trempé, j'avais pas du tout envie de les sortir. Du coup, j'ai fait ça. Après, donc, j'ai fini de planter les ricins. Je vous montrerai après. J'ai donc dépoté des roses trémières pour les rempoter ailleurs. Voilà. Comme ça, comme ça. Bon, j'en ai encore hein, à faire. Mais j'avais envie de faire autre chose. Comme par exemple, détasser, desserrer le curcuma. Donc le curcuma à la base, c'était des racines à peu près grosses comme mon petit doigt, que m'avait filé ma pote. Il y en a une que j'ai consommée parce que tous les matins, je bois du thé aux épices. Des habitudes que j'ai prises lorsque je voyageais en Inde il y a une trentaine d'années. Peut-être des vestiges de vie antérieure, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, le curcuma, il a donc donné ça. C'est étrange parce que donc là, il y avait une racine qui a donné un seul plant. Et là, il y avait une autre racine qui en a donné trois. Donc j'ai déterré. Alors, je ne vais pas le redéterrer maintenant. Mais donc d'un truc grand comme ça et gros comme mon petit doigt, c'est passé à un truc gros, ouais, comme mon index, et beaucoup plus long. Enfin beaucoup, n'exagérons rien, plus long. Et sur lequel d'autres tubercules se développaient. Donc voilà, j'ai enlevé les deux tubercules. Pardon, je n'ai plus l'habitude de parler autant. Qui étaient greffés dessus. Bon, alors on verra. Voilà, je les ai mis à part, on va voir si ça reprend ou pas. Ce sont des choses qui m'intéressent, les herbes, les plantes à épices. Bon, ça va pas être facile de faire une vidéo si je tousse comme ça.